Donc ça y est, on y est, l'ultime affrontement Payback, Rey Mysterio et Dominic Mysterio contre Seth Rollins et Murphy. Dominic, le fils de Rey, est bien le fils de son père qu'il rejoint pour combattre Seth Rollins et son disciple Murphy. Alors c'est assez marrant hein, parce qu'on se retrouve dans les arènes du temps du Covid avec les téléspectateurs qui se filment. Allez, premier objectif, ne nous laissons pas déstabiliser. Dominique commence fort, foncez vers Murphy pendant qu'il est debout avec une charge frontale. Trop court, tapé trop rapidement sur mon... J'aime bien Murphy. Ah, donc c'est passé. Amener Dominic à prendre Seth Rollins par surprise avec une attaque légère pendant qu'il est sur le tablier en attente de faire un tag. Alors, oh là là. Alors, ce qui va être compliqué avec les trucs par équipe, c'est le chasser croisé des objectifs. Heureusement qu'il n'y a qu'un match parce que ça peut être vite prise de tête. Mais là, debout sur le tablier, près de l'adversaire en attente de faire un tag, je pense qu'il faut juste viser Seth Rollins pendant qu'il attend le tag. Donc, vous en voyez. Vous Murphy. Alors, j'ai jamais fait encore les changements de. Hop, voilà, impeccable, ça a marché. Faut appuyer sur le bouton R3 pour changer de cible. Super, maintenant amener Dominique à utiliser 3 combos légers contre Murphy. Marquer les carrés. C'est bizarre d'avoir un autre catcher que Rey Mysterio, c'est le combo, je le. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il s'arrête pas en fait. Entre tout, on martèle, il envoie. Hein. Allez hop, on continue, ça passe. Voilà. Amener Dominique à donner une leçon à Seth Rollins sur la manière de diriger les dégâts partout dans l'arène. Amener Dominique à lancer une attaque avec rebond depuis le tablier du ring. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit Seth Rollins, notre adversaire. Donc, attaque, porter une prise, plonger sur votre adversaire pour l'empêcher. Faut à l'extérieur en plus. Astuce, infliger un air sweep vers un coin pour le forcer le tag. D'accord, ça c'est bien. Percher sur le tablier. Debout sur le ring. On va. Par contre, il va être en PLS, donc ça peut-être pas. Bref, qu'est-ce qu'il fait un... Ouais, voilà, il fait un tag impeccable. Ah, ça c'est vachement bien. Donc par contre. Tenez une leçon sur. Partout. Ou à l'extérieur, donc j'ai l'impression que c'est lui faire des dégâts, et c'est le deuxième, perché sur le tablier, l'adversaire debout sur le ring. Voilà, donc là les dégâts ça fonctionne. Ils annoncent que qu'on soit dedans ou dehors, tout va bien. On va se mettre là. Ah, attention, l'autre il va vouloir me. Ah, ça c'est pas une bonne idée. Ah, merde, j'ai pas pu. Il m'a perturbé. Murphy à faire le tour du ring. Je pense qu'il faut plus que je choisisse ce côté en fait. Je me mette là, voilà. Je vais lui demander de se relever. Et c'est L1 rond normalement. Impeccable. C'est passé. Une fois que Murphy refait surface, je veux que Dominique lui fasse une attaque légère frontale. On va voir si. Donc j'aimerais bien lui faire du dégât, il est tout en rouge. Il fait des dégâts permanents. Enfin, presque. Ouais, bon, il fait le tag. Ah. We obviously want to get our payback here, but I definitely had a moment where it just hit me. I'm teaming up with my son. We're doing a double team combo. Donc maintenant c'est Rey Mysterio et Seth Rollins. J'ai attendu ce moment avec impatience. Amenerait à toucher cette Rollins avec 2 combos légers. Martel carré. Si on veut. Ça marchait moins bien qu'avec Dominique. Hein, d'enchaîner. Il en a enchaîné 3 tout à l'heure.
Merde. Juste avant le dernier coup. Waouh, contre sur contre, assez joli. Ça m'embête qu'il m'ait contré, mais... Et moi aussi je peux contrer. C'est passé. Ensuite, maintenant je veux de gros dégâts sur 7, les dégâts contre que Rollins soit l'adversaire officiel ou non. D'accord. Et c'est moi aussi saisir Murphy, je peux faire des dégâts aux deux. Des dégâts contre que Murphy soit l'adversaire ou non. En gros, c'est leur faire mal à tous les deux, quoi. Pas de... Ouais. Putain, que l'autre soit paralysé pour... Trop fort, hein. Ensuite, ok, passer le relais à Dominique et utiliser une attaque légère frontale contre 7. Faut que je fasse un tag. C'est passé très rapidement. Garder Dominique sur 7. Ne le laissez pas se relever. Une prise légère frontale. Okay. Trash talk. It was really hard to stand on myself. Alors Dominique est à terre, 7. J'ai une bonne attaque lourde en course pour toi sur le ring. Appuyez sur X en courant vers l'adversaire. Trop court. Souvent, hein, il n'a pas un grand gabarit. Pas trop l'anticiper. Voilà, encore. Encore. Non ! Oh non, pas le tag. L'enchaînement. Waouh ! Il est le second genou. Je sais ce qu'il veut. Putain, à chaque fois j'oublie qu'il est des courts sur pattes, notre petit bonhomme. Et merde. Ça va faire mal. Putain. Mauvais, hein, Fredo là. Là, ma jauge de vie commence à être attaquée dans le dur. Ça dure sur moi, là. Putain. C'est une plaisanterie. Bon, laissez-moi me relever, là, parce que oh, ça m'a agacé.
même. Alors, je suis peut-être tout seul pour l'instant, mais je peux quand même faire des dégâts sur 7. Si je peux avoir 7 sonnés debout sur le ring, je m'envolerai depuis la troisième corde et mettrai au sol avec une attaque plongeante. Alors, attaque, là, c'est bon, ça c'est faire des dégâts. Ensuite, percher en haut, l'adversaire debout sur le ring. Avec carré. Ça, ça passe. Puis, alors, au niveau des dégâts, ça, c'est assez insane. Hein. De faire un finisher. Oh, dommage. Oh, le derrière. Où ça fait mal au derrière. Fait mal, hein. Envoyer un message au Messi. Une prise lourde frontale devrait. Seth woke me up a little when he told Murphy to kick me in the head, so I was ready. Et le match se termine là-dessus, donc malheureusement le coup de pied de Murphy a frappé Seth Rollins. Et voilà pour ce 12e et dernier match avec en récompense des costumes pour le fils de Rey Mysterio et Seth Rollins également. Showcase, tous les objectifs terminés. Bien écho. Bien écho, je pensais, enfin, oui, Cho, ça va être de l'espagnol. Vous avez impressionné le grand outsider avec votre capacité pardon, à relever tous les défis. Vous avez vaincu les luchadors, les techniciens, les monstres, les messies qui se dressaient sur votre chemin et vous avez atteint l'excellence. C'était contre les très très gros, hein, c'était le plus dur. Et alors on peut voir, on a déverrouillé un set de costumes, je pense. Ou c'est plutôt tous les costumes, je pense, qu'on a déverrouillé tout en bas. Et également des points, je pense, à utiliser dans le mode, dans les autres modes. Et ben voilà qui termine ce mode showcase. Bah, bien sympa. Ouais, dommage qu'ils aient intercalé leur vidéo entre chaque match. Ils auraient mieux fait de laisser le jeu. Le jeu étant très bien réussi, ça suffisait. Mais sinon, très 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 agréable de pouvoir revivre comme ça la carrière d'un catcheur, et très content que ce soit Rey Mysterio qui a été choisi parce qu'il le mérite. Il a une carrière assez extraordinaire, voilà.